et bienvenue dans la maison de l'Éternel. Je ne veux pas être long. Je voudrais donc vous dire que le thème que Dieu a mis à mon cœur, donc, c'est la révélation de Jésus. Alléluia. La révélation de Jésus. Et nos textes de base se trouvent dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Vous savez, on vient tous dans la maison de Dieu. Mais il y a une dimension que quand tu atteins, aucune preuve ne peut te frayer. Alléluia. Vous savez, si tout à l'heure, quelqu'un se présentait dans cette salle avec une... Je ne le souhaite pas, mais il se présente dans cette salle avec une arme et il dit, ceux qui veulent suivre véritablement le Seigneur Jésus seront mis à mort. Combien de personnes vont confesser leur foi? Combien de personnes? Vous savez, souvent on dit des choses, on fait des déclarations ou on prie, mais quand la réalité arrive, c'est compliqué. Souvent, c'est pourquoi Pierre, d'ailleurs, est aussi passé par là. Et lorsque les difficultés se sont présentées, et on a dit, mais celui-là, il était avec Jésus, Pierre a renié le Seigneur. Il a dit, moi? Non, c'est pas moi. Regardez très bien. Moi? Non, peut-être c'est mon sosie. Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Mais vous savez, il y a une chose qui est importante. Qui est importante lorsque elle a été trouvée dans notre vie ou lorsque nous avons rencontré, cela solidifie notre foi. Et même face à l'épreuve, nous savons ce que nous faisons et nous savons où nous partons. Alléluia. La révélation de Jésus-Christ. Je ne vais pas revenir sur la définition du mot révélation. On va d'abord lire le texte rapidement et puis je vais donc vous livrer ce que Dieu a déposé à mon cœur. Alors, donc, à partir du verset 13, donc de Matthieu chapitre 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ou si vous voulez, dans d'autres versions, il a dit, qui dites-vous que je suis? Ou qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Alléluia. Et il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Maintenant, Jésus va leur poser la question. Il a dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Alors Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia.
au verset 18, « Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. La révélation est individuelle. Dieu se révèle de façon individuelle. On peut prêcher Jésus, on peut annoncer Jésus, mais tant qu'une personne n'a pas fait l'expérience avec Jésus, elle prendra peut-être cela comme un slogan ou comme une parole qu'on déclare, ou même peut-être comme une simple parole ou quelque chose qu'on récite. Mais vous voyez, quand on rencontre Jésus, la façon de marcher avec lui change. Alléluia. On peut connaître Jésus sur différents médias ou par différentes personnes, par hommes de Dieu, mais la véritable connaissance de Jésus-Christ est par la révélation qu'on reçoit de lui. Alléluia. Alléluia. Il est très important aujourd'hui. Beaucoup sont certainement en proie à des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu une révélation personnelle de Jésus-Christ dans leur vie. Ils ont eu l'information. Et d'aucuns, même quand ils prient, « Seigneur, tu as fait ça pour l'autre, il faut faire ça pour moi, pour montrer que tu es là. » Non. Le Seigneur, ce n'est pas parce qu'il a fait pour les autres qu'il va faire pour toi. Ce n'est pas une obligation. Mais quand tu as la révélation du Seigneur, tu sais quelle relation te lie avec Dieu. Et donc, ta relation devient pour Dieu comme un engagement envers toi, et toi aussi un engagement envers lui. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on appelle une alliance. Donc, l'engagement mutuel de Dieu envers toi et toi envers Dieu, c'est ce qu'on appelle une alliance. Mais quand on t'a parlé et que tu... Et souvent, tu vas voir, des gens, des difficultés arrivent. Et facilement, ils peuvent abandonner. Facilement, ils peuvent rebrousser chemin. Mais celui qui a rencontré Jésus, il y a quelque chose qui se produit dans sa vie. Et souvent, on est même étonné de savoir qu'il peut dire facilement aux gens, « Si vous voulez, faites tout ce que vous voulez, mais moi, je ne lâcherai jamais Jésus. » Alléluia. Et il est prêt à témoigner de sa foi. Il est prêt à témoigner de Jésus devant n'importe qui. Il est prêt à revendiquer sa foi partout où il passe, parce qu'il sait en qui il a cru. Alléluia. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Paul. Paul traquait les chrétiens, Paul tuait les chrétiens. Quand vous lisez Actes, je crois le chapitre 9, Paul faisait du mal aux chrétiens. Jusqu'à ce que sur la route, en partant pour Damas, Jésus-Christ se révèle à Paul. Il avait certainement entendu parler de ce Jésus-là que les gens prêchaient. Mais là, il a fallu que Jésus se révèle à Paul. Et quand il s'est révélé à Paul, Paul a connu un changement radical. Et depuis lors, Paul n'a plus fait de mi-chemin, il n'a plus rebroussé chemin. Il a continué à foncer avec Jésus et aller, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Paul n'avait pas peur d'affronter parce qu'il savait en qui il avait cru. Il savait qu'il avait eu la révélation de Jésus. Les autres, peut-être, qui étaient autour ne pouvaient pas peut-être comprendre. Mais Paul avait reçu une révélation de Jésus-Christ. On pouvait lui parler du Seigneur. Non, lui, il a entendu le Seigneur. Alléluia. Et donc, il est un témoin oculaire. Il est un témoin palpable et vivant. La révélation du Seigneur aujourd'hui manque à beaucoup de personnes. C'est pourquoi on peut jouer avec notre vie. J'ai vu des gens
Parce que le Seigneur s'est révélé à eux. Ils sont venus tout tremblants comme ça, responsables. J'ai vu Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu Dieu s'est révélé à moi. C'est terrible. Et depuis lors, leur vie a changé radicalement. Leur engagement, leur façon de prier, leur façon de se comporter même à l'église avec les frères et les sœurs et même avec les saints, même dans leur famille, le constat a été fait. La révélation de Jésus. Alléluia. Voici un texte qu'on a lu. Jésus pose la question à ses disciples. D'abord, la question a deux volets. Il a posé deux questions. La première question, c'est qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et la seconde, c'est qu'est-ce que vous pensez de moi? Qui dites-vous que je suis pour vous? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Et qui est Jésus pour les autres? Les autres croient que Jésus, c'est ce qu'on voit à l'église catholique dans un petit panier ou même le 25 décembre, on met et puis les gens mangent des œufs, enfin des chocolats partout et puis ça c'est le petit Jésus, il est né. Non! Est-ce que c'est ça Jésus? Est-ce que c'est la révélation que les autres ont de Jésus? Mais toi, quelle révélation as-tu de Jésus? Qui est Jésus pour toi? Qui? Et bien aimé, la réponse à cette question détermine aussi ta foi. Détermine ta foi. Mais attention, il ne faut pas répondre à cette question comme balancer une parole en l'air. Quand tu dis que Jésus est mon Seigneur, ça veut, quand on dit Seigneur, souvent on le dit sans peut-être peser le mot, mais le Seigneur, ça veut dire c'est lui qui gouverne ta vie. C'est lui qui est aux commandes de ta vie. Parce qu'un Seigneur, il a de l'autorité et le pouvoir. Mais souvent, nous disons cela, mais nous ne pesons pas vraiment ce que nous disons. Parce que la réalité trahit notre confession. Et nos attitudes trahissent notre confession également. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Est-ce que Jésus s'est révélé réellement à toi? Est-ce que tu connais véritablement le Seigneur? Vous savez, un jour j'ai entendu comme ça un témoignage, un frère, une personne qui rendait un témoignage qui disait, ça fait 10 ans ici à l'église, mais c'est aujourd'hui que j'ai rencontré le Seigneur. Et tu le regardes, tu dis, waouh, waouh. Donc on peut être à l'église et perdre son temps. On peut être à l'église et perdre son temps. Est-ce que tu as la révélation de Jésus-Christ? Qui est Jésus pour toi? Voici, qui est Jésus? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Jésus leur posait cette question. Ce qui est étonnant, c'est que les uns et les autres ont vu une facette de Jésus. Certains ont dit que Jésus était Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce qu'il prêchait dans le désert. Jésus aussi prêchait. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il prêchait aussi dans le désert. Ils ont vu en Jésus la prédication, ce talent de prédicateur que Jean-Baptiste avait. On dit, ça c'est Jean-Baptiste qui est là. Là, c'est Jean-Baptiste qui est là. Alléluia. Certains sont arrivés, ils ont dit, non, 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 nous pensons que c'est Élie. Parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Élie est allé affronter Akab. Il a affronté toutes ces personnes. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. Alléluia. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Les autorités se sont levées contre lui. Les Sanhédrin étaient levés contre lui. Mais de la même manière, Élie aussi. Vous voyez? Et d'autres ont dit, c'est Jérémie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui aussi des choses que Jérémie avait faites, qui sont écrites. Mais tous ces prophètes,
la majeure partie de voix, quasi tous, ont parlé de Jésus, ont annoncé la venue du Messie. Alléluia. Ils ont parlé de Jésus. Et donc, parce que ces personnes reconnaissent les paroles de Jésus au travers de ce qu'ils ont déjà entendu des prophètes, alors ils ont commencé à dire, certainement c'est le même là qui est revenu encore. Alléluia. Ils avaient un pan de la révélation. Mais justement, ils n'avaient pas compris que Jésus était la plénitude de Dieu. Alléluia. Et la portion qui avait été donnée à ces différents prophètes et à ces différents hommes qui ont impacté leur temps trouvait leur plénitude en Jésus. Alléluia. Et donc, ils ont reconnu quelques talents, quelques éléments, mais ils n'avaient pas compris que celui qui était là en face d'eux et qu'ils voyaient marcher dans les rues, c'était lui, la révélation parfaite de Dieu. Alléluia. Ils avaient vu un pan. Et maintenant, Jésus se tourne vers ses disciples. Les autres ont vu un pan de moi. Mais vous, qui dites-vous que je suis pour vous? Qui suis-je pour vous? Qui est Jésus pour toi? Les autres étaient là avec tous les disciples. Jésus était arrêté. Mais aucun d'eux, ils étaient en train de réfléchir. Alors, il y a une personne qui a levé la main. À la personne de Pierre, il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus va regarder Pierre. Il va dire, Pierre, parmi tous mes disciples, c'est toi qui as été sensible à la voix de Dieu. C'est toi qui as été sensible et qui as reçu la révélation. Alléluia. C'est toi qui as reçu la révélation. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous sommes sensibles à la voix de Dieu? Nous sommes dans un temps où la distraction est telle que souvent, nous sommes souvent même en proie à cette distraction. Et Jésus va dire, Pierre, ce que tu as reçu, ça ne vient pas d'un homme. Jésus va confirmer ce que Pierre a reçu. Alléluia. Jésus va confirmer cela et il dit, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux. Alors, Jésus commence par une parole qui fait, c'est quand même assez, est-ce que quand tu reçois la révélation de Dieu, tu es heureux? Alléluia. La révélation de Dieu doit te rendre heureux parce qu'elle te révèle les choses cachées. Or, souvent, ce dont l'homme a peur, c'est l'inconnu. La révélation te donne accès aux informations que la science ne peut te donner. Elle te donne accès à l'information que l'intellect humain ne peut capter. Alors, elle te positionne dans une dimension supérieure. Alléluia. Et Jésus regarde Pierre. Il dit, Pierre, tu es heureux. La joie doit se trouver lorsque nous trouvons la révélation en Jésus-Christ. Parce que la révélation en Jésus-Christ, elle contient la vie. La révélation en Jésus-Christ contient en elle-même la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, voilà pourquoi la parole nous enseigne que la parole, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit, c'est la pensée de Dieu. Quand Dieu disait quelque chose, la pensée dans laquelle il disait cette chose, c'est ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. La révélation, donc la pensée de Dieu. Alors, voici Pierre, Jésus le regarde, il dit, Pierre, cette révélation-là ne vient pas d'un homme. Je certifie que cela vient du royaume. Je certifie que cela vient de Dieu, du Père. Pierre a été sensible à la voix de Dieu. Alors, Jésus va dire quelque chose qui est quand même étonnant. Jésus connaît son nom. Il sait qu'il s'appelle Pierre. On dit, Pierre a levé la main et il a parlé. Et Jésus le regarde. Il dit, tu es Pierre.
Ça fait deux choses différentes. Est-ce que vous pensez que Jésus ne connaissait pas le nom de Pierre? Mais Jésus regarde. Il dit, tu es Pierre. Parce que tu as reçu la révélation de Jésus-Christ. Parce que tu as reçu la révélation. Parce que tu es capable de te connecter au royaume. Parce que tu es sensible à la voix de Dieu. Maintenant, tu es Pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, tu es solide. Alléluia. Jésus le regarde, il dit, tu es Pierre maintenant. Tu es solide. N'oublions pas que Jésus est la pierre. Alléluia. La pierre angulaire dont les bâtisseurs ont rejeté. Donc lui-même, il regarde, Jésus voit, il regarde Pierre, il dit, Pierre, tu as compris un principe. Tu as compris le vrai principe. Tu es connecté au royaume. Maintenant, tu télécharges des choses du royaume. Alléluia. Maintenant, tu connais. Alors, parce que tu connais, tu es devenu maintenant solide. Pierre. Tu es maintenant Pierre. Il y a une différence. Tu es maintenant solide. Et parce qu'il a dit cela, il va maintenant commencer à dire la suite des choses. Alléluia. Jésus ne peut pas bâtir son église si quelqu'un qui n'a pas la révélation. Alléluia. Ce n'est pas possible. Alors Jésus, parce que l'église doit être connectée au royaume et elle doit entendre la voix de Dieu. Et c'est celui qui est capable d'entendre la voix de Dieu qui reçoit la révélation. Et quand il a reçu la révélation, il devient stable, il devient solide. Alors Jésus va dire maintenant, Pierre, tu es solide maintenant. Alors sur toi, je bâtirai mon église. Jésus va commencer à faire quelque chose, il va commencer à dérouler son plan. Il dit, je vais bâtir. Alléluia. Première des choses, lorsque tu es sensible à la voix de Dieu et que tu es connecté au royaume, Dieu va commencer à bâtir quelque chose en toi. Dieu va commencer à bâtir. Le travail que Dieu commence immédiatement, c'est commencer à bâtir quelque chose en toi. Et cette chose-là, il va la bâtir progressivement. Elle va évoluer. Alléluia. Elle va évoluer jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ en toi. Et que, jusqu'à ce que Christ soit pleinement formé en toi. Alléluia. Alors Jésus dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon image pleinement en toi. Je bâtirai la ressemblance en toi. Et Jésus poursuit, il va dire, vous savez, quand Jésus bâtit, il ne laisse pas comme ça, il va sécuriser. Il va sécuriser. Alors il poursuit, il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Frère, si tu as reçu la révélation que tu es en train de bâtir, Jésus va te sécuriser. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que tu ne vas pas être attaqué. Et vous savez pourquoi on est attaqué? Est-ce que vous savez pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, on est attaqué? C'est parce qu'on a la promesse de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'on a la prophétie. Alléluia. C'est parce qu'on a la révélation de Dieu. C'est tout. Donc, le diable t'attaque parce qu'il sait ce que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il sait quelle parole Dieu a annoncé sur ta vie. Parce qu'il voit ce qui arrive. Il voit ce qui est sur le point de s'accomplir pour toi dans ta vie. Alors, il t'attaque. Parce qu'il voit que certainement, Dieu t'a choisi pour relever le défi dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, quand il choisit quelqu'un, c'est pour un but. Quand Dieu t'appelle, c'est pour un but. Ah là là, Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Donc Jésus ferme l'accès à ce qui peut te tuer. Jésus ferme l'accès à ce qui peut te tuer. Je poursuis. Et la troisième chose que Jésus va accomplir, il donne l'accès. Regardez ces trois choses. Il bâtit, il sécurise et il te donne l'accès. Il dit, voici, je vous donne les clés. Je vous donne les clés.
Frère Junior, il donne les clés. Ce n'est pas une clé, les clés. Les clés du royaume des cieux. Or, Jésus a dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. La première des choses, c'est le royaume qui demande de rechercher. Alors, Jésus vient et il te dit, pour celui qui a eu la révélation, lui donne les clés. Or, on sait très bien que les clés permettent d'accéder à un local, d'accéder à une maison, d'accéder à un endroit qui est fermé. Donc, ce n'est pas tout le monde. Jésus donne les clés. Quand tu as eu la révélation de Jésus, il te donne les clés. Et les clés permettent d'accéder aux choses du royaume. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Nous avons tout. Alléluia. Alléluia. Nous avons tout dans le royaume. Nous avons tout. Nous avons tout. Et il a dit, je vous donne les clés. Et il termine pour dire, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Il y a quelqu'un qui pouvait dire qu'il n'est pas trop d'accord avec ce passage, un enseignant de la parole de Dieu, qui disait qu'il préfère plutôt qu'on traduise en disant, ce que j'ai vu lié au ciel, je le lis sur la terre. Alléluia. 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 Mais aussi, l'autre, dans l'autre sens, c'est aussi valable. Les deux sens sont valables. Parce que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser les démons. Alors, ce n'est plus la responsabilité de Jésus de chasser un démon. C'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. On dit, il y a un démon qui arrive et tu trembles. Oh, on va appeler Pasteur Junior. Non. Non. Jésus te donne le pouvoir. Alléluia. C'est une clé. Alléluia. Il y a plusieurs clés. Je ne veux pas m'étaler sur ça. Mais sachez qu'il y a plusieurs clés. Alléluia. Et terminons donc sur ce passage, sur cet aspect dont Jésus nous donne les clés. Sachez qu'il y a quelque chose pour lequel nous allons prier ce soir, dont j'aimerais également vous étaler rapidement. Vous savez, le salut concerne le salut à trois dimensions. Le salut à trois dimensions. Dès que nous acceptons Jésus, notre mentalité, notre esprit est renouvelé. Alléluia. Mais par contre, la chair n'est pas changée. Tu restes toi-même. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus, tes parents ne te reconnaissent plus. Non, ce n'est pas mon frère, il avait une barbe avec son visage. Non, ça ne change pas. Y compris même ton sang ne change pas. Et si on regarde même dans ta famille, qu'on prend ton sang, on regarde l'ADN, est pareil que tes autres frères. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est une autre dimension. La troisième dimension concerne notre corps. La Bible dit, quand Jésus a été ressuscité, il a été revêtu d'un corps glorieux. Un corps glorieux, c'est dans ce corps glorieux que nous allons aller au ciel. Alléluia. Et ça viendra le jour de... le jour soit de l'enlèvement ou le jour de la résurrection. Alléluia. Voilà, nous allons ressusciter dans un corps glorieux et nous irons au ciel. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel dans un corps physique mortel. Alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs, quand Élie a été enlevé, la Bible dit qu'il a été enlevé dans un char de feu. Ce char de feu a consumé la partie mortelle de son corps pour qu'il revête de l'immortalité pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, ça c'est une autre dimension. Alors, voyez, voici quelque chose qui se passe souvent dans nos familles. Abraham avait sa femme. Et Abraham s'est trouvé dans une situation où, à cause de la beauté de sa femme, il a été obligé de mentir. Alléluia. Il a menti. Parce que selon lui, il voulait pas avoir des problèmes, il a menti. C'est étrange quand même. Parce que quelques années plus tard, son fils
ses fils aussi vont avoir un problème de mensonge. Alléluia. Pourtant, les enfants et le père ne sont pas nés à la même période. Et l'action que le père avait posée, l'acte que le père avait posé, les enfants n'étaient même pas informés. Est-ce que vous comprenez très bien ce que je dis? Bon. Et Abraham avait un problème. Il aimait les femmes qui sont jolies de visage. Ses enfants aussi, ils n'ont pas échappé à la règle. Et aussi, la Bible dit que Léa et Rachel, il y avait une qui était belle de visage. Donc, le fils a regardé, c'est vers celle-là, il est parti. Vous voyez? Les fils et le père ont aussi le même problème. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes extra-conjugaux. Abraham est allé coucher avec Agar. Bon, son fils aussi, vous savez ce qu'il a fait. Lui-même, c'est les démons qui ont pris. Et puis, on l'a donné à une autre femme que ce qu'il ne voulait pas. On l'a fait boire l'alcool. Il était ivre et il ne s'est même pas rendu compte. Il s'est réveillé matin, il dit, hey, chérie, c'est qui ça? Il est surpris. On dit, frère, c'est ça. On ne peut pas marier. Tant que la grande n'est pas mariée, la petite ne peut pas marier. Elle ne peut pas être mariée. Donc, c'est comme ça chez nous. Si tu veux, il faut aller bosser encore le nombre d'années équivalent pour avoir celle-là. Mais il avait déjà commis le péché. Alléluia. Alléluia. Bien. Au-delà de ça, Abraham s'est marié à une femme qui était belle, mais elle avait un problème de stérilité. 25 ans de stérilité. Son fils aussi, il a épousé une femme qu'il aimait. Elle aussi, elle a eu 20 ans de stérilité. Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Pourtant, ils n'ont pas vécu à la même période. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Mais les mêmes problèmes, souvent, le péché des pères aussi a aussi une influence. C'est ça ce qu'on appelle le lien de sang. Alléluia! C'est le lien de sang. Et ce soir, on va prier pour ça. On a vu que quand on a la révélation de Jésus, tout ce que l'on lit sera lié. Donc, on termine par là, afin que ce soit quand on sorte d'ici, la révélation qu'on a de Jésus nous amène à exercer notre autorité. Alléluia. Alléluia. Alors, il s'est retrouvé à avoir les mêmes choses. Maintenant, quelque chose d'étonnant. Il a menti. Ses enfants ont menti et la génération qui a suivi, pire, ils prennent leur frère, ils vont le vendre. Alors, j'ai compris quelque chose. Ce que tu n'as pas combattu au début va s'élever comme un géant pour tes enfants. Alléluia. Alléluia. Ils se sont amusés avec le mensonge. Première génération, deuxième génération, mensonge. Troisième génération, elle s'est devenue pire. Ils ont menti, mais en plus, ils ont vendu leur frère. Et à cause de ça, à cause de leur péché, eux, dont ils devaient sortir une race de royauté, à cause de leur péché, Dieu a dit, ok, on va donc limiter, vous allez être donc de sentence, vous allez être empêché, parce que vous savez, de lui est sorti Judas, Judas qui était donc appelé dans la dimension de la production des rois. Alléluia. Des rois. Mais à cause de ce péché des pères, les enfants n'ont pas pu rentrer dans cette... Et puis, il y a une chose que j'ai failli oublier. Regardez une chose. C'est que quand vous allez chez vous et lire toute la parole, tout ce passage-là, donc vous lisez Genèse chapitre 27, vous lisez Genèse 29, vous lisez, vous allez voir, quand vous allez être chez vous à la maison, vous allez voir que dans leur famille, tous les premiers-nés n'ont jamais réussi. Regardez bien. Dans la famille, tous les premiers-nés n'ont jamais réussi. Je vous invite à aller faire cette recherche chez vous à la maison. Tous les premiers-nés n'ont jamais réussi. Regardez celui qui a réussi dans la famille dans les différentes familles. Vous allez voir. C'est tous des dédénés. Pourquoi? Parce que c'était une sentence à cause du péché des pères que Dieu avait prononcé sur eux. Et vous pouvez, par exemple, trouver
un texte dans Deutéronome 23, verset 2. Cela a une répercussion jusqu'à la dixième génération. Alors, on va lire quelque chose. On va lire quelque chose pour corroborer tout ce que je suis en train de vous dire. Dans Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Et comme Dieu a prononcé sa sentence sur dix générations, quelque chose va se passer. On va lire Matthieu chapitre 1. Et c'est par là que nous allons terminer. Alors, nous allons voir quelque chose. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quand on va commencer à compter, vous allez voir qu'on aura 10 générations avant qu'on commence à citer les rois. On va y aller. Alors, David engendra Isaac, ça fait 1. Isaac engendra Jacob, ça fait 2. Jacob engendra Judas et ses frères. Alléluia. Maintenant, comme à partir de Judas, ceux-là, c'est des patriarches. À partir de Judas, il devait commencer à sortir des rois. Ça veut dire que Dieu, dans son plan, avait prévu que Judas produise des gens qui seront assis sur la royauté, qui seront assis sur le trône. Donc, à partir de là, c'est là que Dieu a prononcé la sentence. Quand on va commencer à compter, vous allez voir qu'on va arriver à la dixième génération. C'est alors qu'on va commencer à citer les rois. On y va. Bien, donc là, on va commencer maintenant par Judas engendra Tamar, et Tamar Péré et Zara, ça fait 1. Péré engendra Esrom, ça fait 2. Aram engendra Aminadab, ça fait 3. Aminadab engendra Maasson, ça fait 4. Maasson engendra Salmon, c'est pas Salomon, faut pas confondre. Ça fait combien? 5. Salmon engendra Boaz, ça fait combien? Ok, Boaz de Rahab, j'ai pas fini. Donc Boaz engendra Obed, ça fait combien? Ok, Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra, ça fait combien? Il engendra qui? David. Alors si tu prends 7 plus les 3 les patriarches, ça fait exactement combien? Ça fait combien? Ça fait 10 générations. Et à partir de David, si vous lisez maintenant, vous allez voir, on dit, la suite c'est quoi? Regardez très bien, le roi David. Vous voyez un peu ce qui s'est passé? À partir de là qu'on a commencé à citer, si vous voyez par la suite, on dit roi tant, roi tant, roi tant. La vérité et la révélation dans ce texte, c'est quoi? Il peut arriver que les choses que nos pères ont faites peuvent avoir une incidence sur notre devenir, même si nous n'étions pas là. Ça peut dévier souvent même le plan de Dieu. Dieu peut avoir prononcé une parole qui peut toujours agir, souvent même qu'on le sache ou pas. Alléluia! Cette année est une année de conquête. Nous voulons conquérir et retourner là où Dieu veut nous placer. Toute sa lignée là, il devait être, à partir de Judas, il devait commencer à avoir des rois. Mais ils n'ont pas eu de rois. Jusqu'à ce que David vienne. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que cette année, notre histoire change. Dieu veut réécrire notre histoire. Dieu veut que nous rentrons pleinement dans la vision qu'il avait lorsqu'il créait nos pères. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout et on va prier le Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? La question s'adresse à nous tous. Ce soir, on va tous lever la voix et nous allons demander au Seigneur de nous donner la révélation de le connaître profondément. Il est vrai que nous connaissons souvent en partie, même si souvent nous nous vantons de ce que nous connaissons, mais la révélation de Dieu est encore profonde. Et souvent, Dieu nous révèle en partie. Alors, soyons humbles
demander à connaître davantage le Seigneur, qu'il se révèle davantage à nous. Alléluia. Élevons ensemble la voix et prions ensemble le Seigneur, demandant à Dieu de se révéler à nous davantage, que nous puissions le connaître, parce que nous voulons développer une intimité profonde avec lui. Élevons ensemble la voix et prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Roi des Rois. Parce que ceux à qui tu t'es révélé ont complètement changé. Ceux à qui tu t'es révélé ont connu une transformation radicale. Ceux à qui tu t'es révélé ont connu une autre dimension. Seigneur, nous voulons avoir la révélation. Et nous voulons marcher dans la révélation. Oh Dieu vivant. Parce que sans la révélation, le peuple est sans frein. Sans la révélation, nos vies aussi sont sans frein. Mais la révélation nous aide à nous canaliser. La révélation nous aide à marcher dans la crainte de ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Seigneur. Nous allons encore prier le Seigneur. Et cette fois-ci nous allons aller en guerre. Nous allons prier le Seigneur. Et cette fois-ci nous allons nous attaquer à tous ces liens de sang. Oui, il a été souvent prouvé que les esprits qui ont attaqué les pères aussi attaquent les fils. Quel est l'esprit qui domine dans ta famille? Regarde, tes parents ont certainement été divorcés. Et aujourd'hui tu te bats dans ton couple. Et aujourd'hui, c'est des querelles dans ta relation. Regarde comment l'esprit de divorce a décimé ta famille. Plein aujourd'hui, en souffre. Regarde, il y a des esprits qui contrôlent. Il y a un homme fort qui contrôle. Quel est cet homme fort qui contrôle ta famille? Regarde les autres qui n'arrivent même pas à réaliser quelque chose. Et tu as l'impression que c'est une similarité avec tes frères, tes cousins et les autres. Ce soir, Dieu veut que nous prenions autorité. C'est l'année de la conquête. Nous allons prendre autorité et nous allons détruire ces choses. Ce lien de sang, ce lien qui a été tissé ou des paroles qui ont été relâchées. Nous allons prier, nous allons détruire ces choses. Élevons ensemble la voix. Et prions ensemble le Seigneur. Attaquons-nous à ces choses. Ne nous enorgueillons pas. Parce qu'il y a des liens de famille qui existent. Mais nous devons prier le Seigneur. Pour que ce qui est arrivé aux autres ne nous arrive pas. Mais que nous soyons aussi des instruments que Dieu va utiliser pour sauver les autres. Pour les mener à Christ et à la transformation. Et pendant que je te parle, Dieu ouvre ton esprit pour que tu vois ce qui se passe dans ta famille. C'est un esprit, c'est un homme fort qui contrôle ta famille. Et bien souvent tu penses que tu as épargné, mais regarde toi-même, tu as converti mais tu n'arrives pas à réaliser les choses. Tu as plein de projets dans ton cœur mais tu n'arrives pas à les réaliser. Tu as bouillant d'idées mais tu n'arrives pas à les réaliser. Et chaque fois que tu reçois les ressources et les moyens, c'est comme si des problèmes se déclenchaient dans tous les sens. Il est temps de lever la voix et d'attaquer, détruire ces choses. Parce qu'ils ont déclaré que dans ta famille, vous n'allez pas vous marier. Et même si vous vous mariez, vous allez avoir des difficultés parce que les démons se sont levés contre vous. Mais ce soir, ce masque tombe. Ce soir, cette chaîne tombe. Cet homme fort sera lié. Cet homme fort est lié. Un changement va s'opérer.
Un changement va s'opérer. Un changement va s'opérer et doit s'opérer à partir d'aujourd'hui. Un changement doit s'opérer dans notre vie. Et c'est un changement, non pas un changement de façade, mais un changement en profondeur, jusqu'à nos racines. Jusqu'à nos racines. Jusqu'à nos racines. Jusqu'à nos racines. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh Jésus, merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons encore continuer dans cette lancée, cet élan de prière. Maintenant, cette fois-ci, nous allons nous attaquer à ces démons qui règnent sur nos familles et qui tendent souvent à influencer aussi nos enfants. Car ce que nous n'avons pas combattu aujourd'hui peut se lever demain contre nos enfants. Alors nous allons prier pour ceux qui ont des enfants. Nous allons attaquer ces démons. Nous allons neutraliser leur pouvoir sur nos enfants. Tu vas déclarer que ce qui t'est arrivé dans ton jeune âge ou les choses qui te dominaient hier ne dominent jamais et ne dominent plus et ne domineront au plus jamais nos enfants. Alléluia. Alléluia. Oh, merci pour la victoire. Sors! Tu es vaincu. Sors de nos familles. Sors de nos vies. Sors! Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.